Salut à tous et salut à toutes, c'est VisiGaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Dark Souls 3. J'ai su l'avoir un tout petit peu avant la sortie du jeu qui devait sortir mardi le 12. Je vais essayer de poster cette vidéo plus vite. Comme ça on aura déjà le gameplay de découverte ensemble. J'ai encore ma voix cassée. Vous allez sûrement m'entendre, moi ou ma petite amie tousser dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. On essaiera de faire au mieux. Donc voilà, on arrive à la fin de la création de perso. J'ai fait dans le standard hein, parce que j'ai pas voulu en faire le. Essayer de chercher à refaire comme le Joker comme la dernière fois. Là, je suis pressé de jouer. Donc, mon nom Visi, je suis un homme, un jeune homme, chevalier. Et j'ai pris une bénédiction. La bénédiction, c'est une fiole que j'aurai en plus, je pense, hein, pendant le jeu. Et ça annule. Ça restitue tous les PV et ça annule mes pénalités. Voilà, maintenant on peut se lancer dans cette aventure de Dark Souls 3. J'ai l'impression que, en tout cas graphiquement, par rapport à Bloodborne, c'est beaucoup plus beau. J'ai pas encore bien vu, enfin en tout cas dans les trailers que j'ai pu voir tout ça. C'est sûr. Ok. Bon, on est dans les mêmes... Donc ok, c'est les mêmes coups. Là je pars. Là je peux parer comme ça. Là je range mon bouclier, je le remets. Je range mon épée. Les fioles, la fiole d'estus et fiole de bénédiction. Esquive. Ma première fiole d'estus pour rien. Et là, je fais quoi? Ok. Donc, à demain. Donc si j'appuie une fois sur triangle, ça fait mon épée à deux mains. Si je laisse appuyer, ça fait mon bouclier à deux mains. Ok. Je sais plus c'est quoi la potion déjà. Allez, on va commencer. Lire ce message. R carré, c'est bon, on s'en a vu. Attaque R1. Attaque puissante. Il y a un ennemi là. Ah, c'est pareil que Bloodborne. Le verrouillage des ennemis, tout ça. Ok. Pas arrière ou roulade. Ok, d'accord. Ah, y'a pas d'esquive par contre, ouais, c'est pas comme Bloodborne par contre. Déplacement sprinté, il faut appuyer deux fois sur rond. Enfin, on avance. Je pense. Il va pas avoir un objet comme ça gratuitement. Ça me semble bizarre. Âme corps abandonné. Ok. Équipement. Ça s'est mis où? C'est ça? Non. Cristal. Âme de corps abandonné. Pas c'est quoi, permet d'acquérir des âmes. Ouais. Ah ok, ouais, c'est comme un sac de sable, enfin dans ça là, Sanctuary ou ok, d'accord, c'est un ennemi ça. Ouais. Oula. Fiole d'estus, c'est quoi pour les
Des PC, ouais, c'est bah, c'est comme la, la les points de magie. L2 parade repousse ennemi, R1 riposte. D'accord. On essaie avec lui pour voir. Non, ça va pas marcher, je pense pas. L1. Non. L plus R1 coup de pied. Direction plus L1, ok. Bah il a fait une fois, c'est tout. Ah c'est que sur les côtés. Changer d'arme, ok. Enfin, ça, j'ai qu'une arme. Oh, en fait, il faut mettre des diagonales pour mettre des coups de pied. Avec une diagonale haut. Est-ce que ça fait du dégât, un coup de pied? Ah! Hey, mais nique ta mère! Carrément oublié c'est quoi le bouton de... Le bouton d'esquive. Oh là là. Quelle connerie quoi. Bon, en fait ça a rien coupé. Âme vacillante. Un bassin permet d'acquérir une poignée d'âme. Ok. Donc déjà dès le début c'est un peu ouvert quand même, hein. Je pouvais aller plus tout droit. Battez en retraite. Ok. On a un ennemi ou un truc comme ça. Ah, c'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être assez compliqué. Ah putain, mais... Lock-le, bordel de race. Je vais prendre ma vie parce que j'ai l'impression... Il n'y a plus rien. Oula, putain, c'est magnifique. Non mais... Je fais n'importe quoi. Écaille en diamant, ok. C'était pas si dur. Mais j'ai fait n'importe quoi. C'est juste que le temps que je repère les boutons, hein, parce que... ça et Bloodborne, j'ai perdu. Bon, ça doit être des âmes encore ça. Bon, à part ça, il y avait rien. Ok, c'était vraiment un truc optionnel ici. Ouais, pour l'instant, c'est différent de ce que j'ai pu voir sur Bloodborne. Différent, ça peut forcément dire que c'est moins bien. Mais bon. Pour l'instant, on verra, on est qu'au début. J'ai pas encore vu le premier boss. Je vais pas le voir maintenant, je pense pas. Hein.
tout cas, il y a des beaux paysages. Oh putain, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Ok. Ok, d'accord. Oh, le panorama. Donc là-bas, il y a un ennemi, je dois aller là-bas sûrement. Là, il y a... Ok. C'est vachement beau, hein. C'est quoi ça? C'est un feu de camp? Ouais, feu de camp. Donc on a trouvé feu de camp, c'est bon, on a allumé le feu de camp. On va se reposer. Est-ce qu'on peut augmenter le perso? Je sais pas, non, je pense pas. Hein. On doit être comme dans Bloodborne. Qui était petit, petit. Ouais, ça doit être comme dans Bloodborne. On doit sûrement. La poupée, enfin, ce sera pas la poupée, ce sera autre chose sûrement, mais donc là il y a quelque chose qui est sur je viens d'en haut, non. Pour l'instant, je suis toujours plus rapide qu'eux. Ça va. Je vais essayer de faire ce que j'ai vu là-bas. Là. Donc, est-ce que moi je viens d'en haut? Je me rappelle déjà plus. Ouais. Pour le peu de points que j'ai perdu, je vais pas refaire le feu de camp. Sinon, je vais devoir lire les messages. En sprintant, saut. Merde. Peut-on remonter? J'ai un doute. Bon, on peut remonter de là. Où déjà faut sauter plus vers où? Vers là. Ah ok, non, c'est moi qui me trompe à chaque fois. À la place d'appuyer sur rond comme dans Bloodborne avec avec lequel on sautait, là il faut juste courir et appuyer sur L3 pour sauter. Sauter comme ça, je perds des points de vie aussi. Je suis un peu con moi, de sauter n'importe comment là. Bon, il faut aller où? C'est ici. Fragment de titane. Voilà. Donc là, on a fait toute la première zone. Ici, hein. Non. Ça sentirait bien le premier boss que ça m'inquiéterait même pas ça. Enfin que ça m'étonnerait même pas plutôt. Une zone assez vaste. Je peux passer à côté donc je sais pas en fait. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Ouais, mes mises à jour sont installées, donc ça je le ferai si je fais une prochaine vidéo ou pas. Je sais pas si je fais comme un Bloodborne, si je le fais en let's play ou pas, mais je ne pense pas vu que grossement j'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Mais pourquoi pas. Il y a un truc dégueulasse sur le dos, non? Ouais, il y a comme un monstre là.
Ouais, ça doit être un boss. Allez, allons-y. Ouais, c'était un boss, hein. Oula. Ouria. On prend un peu de recul, on va regarder un peu ses patterns, hein. Ok. Bah, il avait pas l'air si dur que ça en plus comme premier boss, hein. On verra bien si j'y arrive pour le deuxième try. Et est-ce que le monstre qu'on a eu, le monstre bleu là, qui faisait des trucs de glace, est réapparu? On va peut-être passer par là. Comme ça, je vois tous les ennemis, non? Ouais. Ça va les garder pour plus tard. Bon, j'espère déjà que c'est comme Bloodborne qu'on peut récupérer son sang. C'est là. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va essayer de récupérer le sang, hein. Ouais, enculé, enculé. Enculé. Si je donne le tournis, je suis désolé, mais j'essaie de tourner au maximum autour de lui. Sauter dans sa garde en fait, dès que je vois qu'il va taper de la droite, j'essaie de sauter vers sa droite. Pour me retrouver à côté ou derrière son épée. Plus tombé du premier coup, mais bon, épée torsadée, brasier restauré. Voilà, feu allumé. Donc là, normalement, j'ai eu ma deuxième épée, c'est ça? Épée longue, c'est quoi l'épée torsadée que j'ai eu? Ça sert à rien parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ouais, en fait c'était obligatoirement que c'était le premier boss et que on devait passer par là, quoi. Putain, c'est magnifique. En espérant que je me fasse pas. Épée droite brisée.
Alors durabilité 30 sur 30, 70, ok, moi bah, est-ce que la mienne c'est normal, elle est brisée. 45. Ah donc attends, je comprends pas forcément tout. Bon, ce que je comprends c'est qu'elle est moins bonne déjà. Ouvrir menu. Ah, même eux ils ont une petite un petit bouclier. J'aurais pu monter dès le début ici, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là on a tout vu. Putain, c'est des panoramas, des vraiment des lieux assez beaux à voir, assez cool. Ils ont fait revenir les chiens de Bloodborne quoi. Putain, c'est les pires merdes du monde ça. Voilà. Braise. Ça me servait à quoi de la braise? La force du feu augmente les PV jusqu'à la mort. C'est quoi ça? Ok. Perte d'âme. Et retour au feu. Essayer de tuto les PV. Ah ça c'est inconsommable, 1 sur 1. Ouais j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Oh non, quoique si c'est en plus. Permet de bannir un spectre, rendez-vous chez vous. Rétablis le lien vers d'autres mondes. Mes trucs d'âme, ça je les prendrai quand je pourrais augmenter de niveau. Le premier je l'ai perdu bêtement. Et là j'ai manqué de tomber bêtement. Il faudrait que je me protège un peu plus aussi, c'est sanctuaire de l'échevin. C'est celui qu'on a vu, j'avais vu dans, enfin j'en ai entendu parler dans la dans l'intro. D'accord. Donc ici rien. Âme de corps abandonné, là c'est une échelle pour plus tard. Est-ce que là je peux ouvrir? Verrouillé. Ça commence à me faire plaisir parce que ça me dit ouais en fait là c'est plus tard que je devrais venir et ça fait fort Bloodborne. Les premiers Souls aussi c'est comme ça et là je me dis putain c'est bon on est reparti sur du vrai quoi. Os du retour. Je pense que je me suis déjà perdu.
là j'avance un peu comme un bourrin, mais j'ai peur de rater quelque chose. Braise. Revenir en arrière là, parce que dans la grande salle j'ai pas tout regardé encore. Eh, je suis venu ici moi. Je suis passé à côté de gars de tout à l'heure que j'avais pas vu. Putain, ça, quoi. Non, c'est obligé que non, sinon je l'aurais vu lui. Ah, t'es dégage. Ah, eh, c'est un ouf lui. Essayer de repartir dans le sanctuaire que je viens d'ouvrir là. Ça m'évitera de faire tuer toute mon avancée déjà pour rien. Lui a l'air d'être bien méchant lui. Hein. Ça me fait penser un peu à. Enfin, un peu. Non, ça me fait penser à. Au chasseur dans Salem Sanctuary ou même dans Bloodborne quoi. Je suis obligé de passer par là. Putain, j'ai fait une connerie. Mais non, mais je suis pas passé par là. C'est obligé qu'il y ait un autre chemin. Je vais repasser mon à l'envers. Tout à l'envers. Il y avait là et là. Là, je suis passé. Bah, il est juste là la porte. Parce qu'à la place de mourir. On va essayer de. Ah, mais là aussi, un chevalier, putain! Ah, là, je peux pas le. Ah, another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? Dieu, après un nouveau truc, s'effondrer. What a sick asking us to see talking true legends. What a sick asking us to talking. Okay. Yel. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame. And the lords have left their thrones. To this end, I am at thy side. Ah bah voilà, c'est bon. Donc tantôt je te dis ta gueule deux secondes. Enfin, c'est pas méchant. Je vais essayer de prendre toutes mes trucs merde là. Utiliser. Je suis 100. Ça j'en ai 3. I
passion produce the mark to Lothric. Very well. Maintenant, je vais prendre mon niveau supérieur. Then touch the darkness within me. Take. 7 niveaux. C'est beaucoup, non? 7 niveaux. Donc, on va prendre quoi? La vigueur, ça prend quoi déjà? Déjà, la vigueur, si je me rappelle bien, c'est comme de l'endurance. Hein. Charge, équipement. Ah, c'est pour l'équipement qu'on peut porter. Là, actuellement, je peux porter 55, on va dire, kilos d'équipement. La force. La dextérité. L'intel, la foi, la vitalité. Donc, je vais mettre 2 en force, 2 en vitalité. La mémoire, c'est quoi déjà la mémoire? Ah, c'est comme la magie. Par contre, la constitution, c'est comme c'est mon endurance. Si je mets 2 en vitalité, 2 en vitalité, 1 en endurance. Deux en force et 1 en dextérité. Donc, 2 en force, en endurance et 1 en dextérité. Farewell, Ashen One. Inspecter. Ah, mais c'est ça, l'épée torsadée. Prendre sort, on peut prendre des sorts. Organiser stockage. Brûler mon fragment. Pas de fragment. Brûler. Essayer de téléporter. Non, c'est bien ça. Ok. On va essayer d'avancer un peu quand même. Je vais essayer d'aller battre l'ennemi qu'on a vu devant là, l'espèce de chasseur ou je sais pas quoi là. C'est moi ou je suis perdu? On a vu, on était là non? Là. Putain, c'est déjà vachement ouvert. Hein. Je vais essayer d'aller battre cet ennemi. Et après on mettra fin à la vidéo, hein. C'est soit un gameplay découverte à la base. Comme je vous dis, je sais pas si je le fais en let's play. Si ça peut vous intéresser, si vous voulez que je fasse un let's play dessus, y'a pas de souci. Franchement, dites-le moi, y'a pas de problème, je le fais. On va essayer d'aller bourrer. Hein. Soit là j'ai plus rien à perdre, j'ai plus de... Ok. Donc lui aussi il peut faire ça. C'est quand même hallucinant que le premier, enfin un ennemi comme ça, c'est aussi balèze qu'un boss, voire plus quoi. Ah!
Et voilà, on meurt. On fait quoi? On va essayer de on va essayer une deuxième fois, et si je vois que j'y arrive pas, bah, je mettrai fin à la vidéo, et puis vous me direz si vous voulez vraiment que je fasse un let's play dessus ou pas. Ce sera vraiment votre bon vouloir. De toute façon, des let's play sur ce jeu, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. C'est quand même un jeu assez attendu. Hein, c'est un boss ça. Mais je dois aller où moi? Trop bête. Le plus gros fail de l'année. J'ai su le parer. Bon, on va pas essayer de le parer. Hein. Bah si, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le parer. Peut-être pas ce poulet parce qu'il fait mal. Et voilà. Non. Je veux réussir à le battre. Donc c'est au-dessus, hein, c'est là-bas. On va faire une dernière tentative, hein. Au minimum une dernière quoi. Putain, le mec il est plus balèze que le premier boss. Ah, tu peux me laisser passer? Bah il se passe quoi là? Allez! Putain, mais c'est quoi cette merde? Premier backstab réalisé avec plus ou moins. Ouais, il me laisse pas le temps de rien en fait. Bon bah voilà, on va s'arrêter ici. Hein. C'était Vizy Gaming cette fois-ci sur Dark Souls 3. On arrête sur un fail. Je suis désolé. J'essaierai de le prendre en vidéo quand je le réussirai, puis le mettre en le laisser le coller si j'arrive, si je le mets juste après la, si j'arrive à le faire avant la mise en ligne de la vidéo, on va dire. Bon, vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis bah, à très bientôt sur un autre jeu ou sur Dark Souls 3 si vous voulez vraiment que je fasse un let's play. Et sur ce, amusez-vous bien sur tous vos jeux en cours.